Gourpapa contre Orichi. Réseau de Sinistro contre réseau de piège. Et un très bon départ pour moi. Avec le feu et la gelure, je suis gâté. Hein. Un piège. Et la pioche de son côté, il est pas à plaindre. Infinity, c'est un très bon joueur. Je suis pas serein face à lui. Malgré tout, mon départ me met en confiance, hein. Je m'approche pour titiller un peu mon adversaire. Il répond à ma provocation par un premier réseau. Et un maître égrainer très early. Une menace que je peux pas laisser sur le terrain. Et là, j'ai pas encore mon rouage. Le Géré va me demander trop de ressources, mais il va m'enchaîner trop aisément si je le laisse en vie. J'ai pas trop le choix. Bon, on balance les sinistros, mais je me retrouve vraiment avec une main impossible à jouer. Ok, génération d'aura pour lui. Et pioche. Bien. Il a un tour aussi lent que le mien, je respire un peu. J'aurais aimé pioche et gelure, mais j'ai pas les PA pour le moment. Je vais devoir me contenter de carillon. Un assemblage, il me repousse et m'attaque. Mon jeu est furtif. En invoquant Séraphin, il sait que je suis mal. Il va chercher à prendre le plus d'avance possible. Je dois garder mon sang-froid. Je peux pas me battre loin de mes sinistros et avec ma main vide. Je dois me rapprocher et repiocher afin de pouvoir riposter correctement. J'éviterai ainsi l'attaque de son compagnon. Yes, bingo. Ok, un assemblage logique. Il me repousse dessus. Pose un piège et... Oh, brute impie! Il me place sur le second. Pique 229 points de vie contre 56 pour moi, ça sent pas très bon. Ok.
suis prêt. C'est le moment d'enfin lâcher mon rouage. Il a plus de jauge, donc plus de compagnons. Ça devrait bien se passer. Ok. Il arrive à s'approcher et à m'affaiblir. Il repioche. Il sort une championne. Ok, il peut pas m'achever. Par contre, je comptais mettre le sinistre au R là où il a laissé son compas. Ok, pas grave. Je déplace mon héros. Attirer une fille avec le R pour amener les graineurs, ça se présente bien. Une petite gelure. Je pose un second sinistro, la brute impie pour ajouter 32 dégâts et le compte est bon avec les dégâts de mon passif. GG à lui, beau combat, abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.